Et alors, on parlait de l'inspiration et d'où viennent les idées. Comment ça... Pardon. Ouais. Comment ça vient, je ne sais pas. Des fois, qu'est-ce que mange l'animal, vous voyez, donc on peut se servir de la façon dont est nourri l'animal. Oui. Est-ce que vous avez eu, en parlant de inspiration, est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont inspiré ou qui vous ont marqué particulièrement? Vous parliez tout à l'heure de Jacques Puiset, par exemple, du côté vin et plat. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être des personnes pour qui vous avez travaillé en début de carrière ou Non, pas vraiment, mais je vous raconte une histoire. Un jour, on était à l'Orchestrate. Oui. Au premier rue de l'exposition. Oui. Et j'avais un bon client qui me dit, oh là là, je rentre d'Allemagne et j'ai mangé un homard aux pêches dégueulasse. Et moi, comme un con, je lui dis, mais la prochaine fois que vous venez, je vous fais un homard aux pêches. Ouais. Et donc, j'ai fait un homard aux pêches, c'était la saison des pêches, et c'était une salade. J'étais très ravi parce que c'était formidable. Je me souviens une année pour Rochas, qui avait organisé un voyage avec l'aîné des parfumeurs qui font les parfums. Et il m'avait mis dedans, avec des nez. J'étais ravi parce que j'ai appris beaucoup de choses. Surtout, je vous parlais dans les couleurs complémentaires, la couleur principale, les nez, certains nez, avec tel arôme, ils mettent une goutte de notre pour faire ressortir. Ça m'a beaucoup influencé. Ouais. Lors de ce voyage, on était assez élan, je crois. On a vu, ils nous ont mené dans un jardin botanique où il y avait les orchidées qui faisaient la vanille. Ouais. Ouais. Et le soir, on était invité dans une famille qui nous a fait un curry de je sais pas quoi, avec de la vanille dans le curry. Ouais. Et ça m'a donné une idée, parce que c'était de la vanille fraîche. Je me suis dit, il faut que je fasse un plat salé avec la vanille. Parce qu'à la vanille, on fait toujours des plats sucrés. Ouais. Et vous allez voir comment fonctionne le cerveau. Donc, je cherchais une idée pour mettre la vanille avec un produit. Et naturellement, est venu les crustacés, parce que les crustacés, quand ils ne sont pas trop cuits, sont douxâtres. Ouais. Donc j'ai fait le homard à vanille. Et la vanille m'a fait penser au morceau, parce que le morceau est naturellement vanillé, je dirais. Et donc on a fait le homard à la vanille avec des vins blancs de Bourgogne, des chardonnays. Et ça marche, on l'a mis rapidement au point, et ça a été un grand succès, je le fais encore, j'ai fait il y a 20 ans, mais c'était un grand succès. Ouais.